Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece. Et comme d'habitude, il y a pas mal de choses à dire. Ça a été un chapitre très touchant, très intrigant et aussi énervant. Ouais, je peux vous dire que j'ai clairement eu des envies de meurtre après ça. Encore, oui. Comment ne pas en avoir après tout? Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Vous connaissez la chanson. Requête de fans, comme d'hab, où l'on retrouve cette fois-ci Usopp en train de se remémorer son premier équipage tout en regardant Sanji préparer des légumes. On peut comprendre, il y a du bon dans la nostalgie. Bon. Maintenant, nous pouvons rentrer directement dans le vif du sujet, dans la suite du flashback de Kuma. Ici, on voit que Kizaru a été envoyé sur Egghead. Bon. Et Saturne oblige Kuma à devenir Shichibukai, de le transformer en cyborg et de lui retirer toute conscience en échange de soins pour Bonnie. Je vous l'avais dit que ça allait se passer comme ça. Après tout, c'était très facile à deviner. Vegapunk s'y est opposé, mais Kuma, bien évidemment, a accepté ces terribles conditions. Cette enflure de Saturne a pris Bonnie en otage pour contraindre Kuma. Il prétend qu'il la libérera quand la transformation de Kuma sera achevée. Mais on sait qu'il ment, cette espèce d'ordure là. Sale fils de catin, va. Sérieusement, il a aucune honte. J'espère que tu vas crever dans d'atroces souffrances, Saturne. Ah, mais j'attends que ça. J'ai chialé tout le long du chapitre, bordel. Tout le long. Kuma est un personnage absolument incroyable. Un père qui aime sa fille d'un amour inconditionnel. Malgré le fait qu'elle n'ait aucun lien de sang avec lui. C'est beau. Saturne et ses potes doivent mourir, très clairement. J'en ai marre de ces FDP du gouvernement mondial. Ah, mais vraiment, j'en ai ma claque. Vivement qu'ils tombent de leur piédestal, là. J'attends que ça. C'est bon, je me calme. En travaillant sur Kuma, Vegapunk a eu l'idée de créer ses clones, ses satellites. D'ailleurs, petite parenthèse, nous avons appris qu'un ancien Shichibukai a été vaincu par Ace, et c'est ce gars-là que Kuma remplace. Nous ne savons pas de qui il s'agit. Certains disent que c'est Jinbei, mais c'est assez évident que c'est pas le cas. Mais voilà, cela m'intrigue. J'imagine que ça vous intrigue aussi. Je tiens absolument à savoir de qui il s'agit, comme vous, j'imagine. Vous qui aimez l'histoire de One Piece, le lore, tout ça. J'exclus totalement ceux qui sont juste là pour la baston, et je tiens à dire qu'il y en a qui n'aiment pas le flashback de Kuma juste pour ça, parce qu'il n'y a pas de baston. Comme s'il n'y avait que ça dans One Piece. Bon, pour en revenir à ce fameux Shichibukai, j'imagine qu'on saura très bientôt de qui il s'agit. Et voilà, j'ai très hâte. Mais il y en a qui ont souligné l'idée qu'il pourrait être l'homme à la cicatrice de feu, mentionné plusieurs fois, et en fait je trouve pas ça totalement déconnant. En fait, l'homme à la cicatrice de feu, il y a diverses théories dessus, comme quoi il serait en réalité Aguar d'Isoro. Avant j'y croyais, mais j'ai vraiment des doutes là-dessus, et pour d'autres, ça serait simplement Dragon. Mais pourquoi Dragon? Je veux dire, on le connaît en tant que Dragon le révolutionnaire dans le monde de One Piece. Pourquoi l'appeler l'homme à la cicatrice de feu? Ça, c'est pas logique. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai hâte de savoir. N'hésitez pas à me faire part de vos idées dans les commentaires, bien évidemment. Bon, maintenant on peut reprendre. Ensuite, nous avons eu un petit montage des 6 mois de vie de Kuma et Bonnie en compagnie de Vegapunk, Sentomaru et Kizaru. Quand on voit Kizaru comme ça, avec tout le monde, on se dit il va finir par trahir Saturne. Non, même avec tout ce qui se passe, Kizaru n'en fera rien, vous verrez.
De retour à Sorbet, Bonnet revient dans l'église de son père sous la surveillance d'une agent du CP8 nommé Alpha, qui se fait passer pour une infirmière et qui ressemble beaucoup à Khalifa du CP9. Sont-elles liées? Je ne sais pas. Que quelqu'un pose la question à Oda pour qu'il y réponde en SBS. Ça, c'est le genre de question auquel il peut très clairement répondre en SBS. Donc, j'imagine que quelqu'un la posera. En tout cas, cette pétasse rappelle à Kuma ce qu'il se passera s'il déshonore l'accord qu'il a conclu avec l'autre merde de Saturne. Mais lui, il lui dit qu'il ne reviendra pas. Avant de partir, Kuma remercie Bonnet d'être né, et ça, je peux vous dire que ça m'a encore plus achevé. Oda, tu veux achever tes lecteurs ou comment ça se passe? Ah, j'ai tellement la rage. Ah, je vais renvoyer Saturne sur sa planète, moi. Ouais, comme ça, il deviendra l'anneau de Saturne. Le film peut s'en charger, après tout. J'espère que quelqu'un va le défoncer, lui et ses potes, il ne mérite que ça. Faites-moi tomber ce gouvernement de merde, bon sang. Ah, il serait temps, hein. D'ailleurs, je pense réussir facilement à deviner la suite concernant Bonnie qui est littéralement retenu en otage. Il y a des chances, vu la présence de Connie, que Bonnie se transforme en Connie et qu'elle réussisse à se barrer comme ça. Ou alors, d'une manière ou d'une autre, Bonnie va défoncer Alpha. Il y a quelques possibilités à envisager pour le coup. Nous avons eu les différentes réactions des autres Shichibukai, Crocodile, Mihawk, Duffy, Jinbei, Hancock et Moria. Ouais, ça fait plaisir d'en revoir certains. Ainsi que des révolutionnaires à la nomination de Kuma en tant que Shichibukai. Ça, c'est vraiment cool de revoir certaines têtes. Et pendant ce temps, Kuma écrit à Bonnie lui disant qu'il va bien et qu'il trouve des endroits intéressants pour qu'ils puissent naviguer ensemble. Définitivement, Oda veut nous détruire psychologiquement. Du coup, le chapitre se termine de manière étrange. Kuma se dirige vers East Blue, plus précisément le village Fushia. Et au même moment, il reçoit un nouvel ordre du gouvernement mondial. What the hell, bro? Alors déjà, clairement, les deux trucs ne sont pas liés. Kuma se rendait à East Blue avant l'appel du gouvernement mondial. Donc non, c'est clairement pas lié. Et pourquoi est-ce que Kuma se dirige à Fushia? A-t-il découvert d'une manière ou d'une autre que Luffy est Nika, ce qui l'a poussé à protéger les Mugi en les séparant à sa bandit? En vrai, ça ne m'étonnerait pas. Et puis aussi, peut-être que d'une manière ou d'une autre, il a compris que Luffy était le fils de Dragon. Enfin, c'est peut-être un peu des deux à la fois. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai super hâte de voir le prochain chapitre, les amis. Ça promet. Et puis, de ce que j'ai vu, donc oui, on a le prochain chapitre. Donc, vous aurez ma review mercredi prochain. Mais après, il y a une pause. Logique, on se rapproche des fêtes, donc. Ce chapitre était très très touchant, tout comme les précédents, mais aussi énervant par rapport au gouvernement mondial qui obtiennent tout ce qu'ils veulent là, sans être inquiétés. Quand Kuma va arriver à Egghead, j'espère qu'il va tuer Saturne en lui balançant toute la douleur qu'il a accumulée au fil des années. Kuma a beaucoup trop souffert tout au long de sa vie. Il serait temps de balancer toutes ses douleurs à la face de la personne qui l'a harcelé depuis qu'il a 8 ans. Vous vous rendez compte? Cette espèce de grosse merde là, de Saturne. Quand le gouvernement mondial va tomber, quand le Gorosei aussi va tomber, qu'ils vont se faire massacrer la gueule, ça va être jouissif. J'ai super hâte de voir ça. Ça va clairement prendre son temps, tant qu'Oda met tout ça en place, évidemment. Mais vivement, vivement. Saloperie de Saturne. Non mais bon, très clairement, là, on a vu la cruauté de Saturne, mais les autres? Ah ouais, mais il y a beaucoup de chances qu'ils soient encore pires que ça. En tout cas, voilà les amis, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos théories. Que va-t-il se passer? Pourquoi Kuma se rend à Fushia?
J'ai hâte d'en discuter avec vous. En tout cas, je vous laisse ici les amis, j'espère que vous avez apprécié. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce chapitre, vos théories, etc. Vous pouvez aussi me donner des vidéos, des idées de théories sur One Piece. J'avoue que je suis un petit peu en cours d'idées ces temps-ci concernant des théories sur One Piece, mais je pense qu'en fait, si j'y réfléchis, j'en trouverai. Mais n'hésitez pas à me balancer des idées si vous voulez. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye !